Voici l'histoire d'un homme qui a tout pour être heureux. Père de deux magnifiques filles, amoureux fou de la femme de sa vie. Antoine respire le bonheur. Voici aussi l'histoire d'un garçon qui n'a pas tout pour être heureux. Mais heureusement, il y a Jacqueline. Il y a des gens qui sont formés à s'occuper de ces enfants-là. Je l'ai mis au monde et je le garde. Laurent est un garçon comme les autres, il a droit à l'école comme les autres. Maman, je t'aime. Autant je suis bien aujourd'hui, autant j'ai l'impression d'avoir fucké l'affaire. Fucké ma vie. La vie des miens. Une séparation, c'est un peu comme un deuil. Ça peut prendre du temps. Je suis incapable de le laisser. J'ai jamais connu un autre homme. J'en ai jamais embrassé un autre. Tu t'appelles comment? Véro. Tu t'appelles Véro? Oui. Je rêve ou quoi? T'as 7 ans. Est-ce qu'on connaît de l'amour à 7 ans? Je suis heureuse. On se marie. C'est un mauvais rêve. On peut pas se remarier. J'en ai plein de cul, ta crise de guidonne. Oui. T'es un trou de cul. Ça suffit! Mon fils allait très bien avant l'arrivée de votre fille. Ça suffit maintenant. Ma qu'elle est séparée enfin, elle est où le problème? Mais qu'est-ce que moi? Crois-tu à ça, toi, les âmes, ça? Que quelqu'un, quelque part, soit fait pour toi. Pour la vie. Romantique. Faut croire. L'amour mythique. Plus grand que l'homme. Plus fort que la vie. Je te laisserai pas partir. Tant pis, moi, c'est pour la vie, tu le sais. Pas dans cette vie-ci, je vais la retrouver dans une autre. C'est pas moi qui vais décider si un moment donné